direction assistante, et celui qui a tout petit plus au fond est aussi une maquette. Il s'agit d'un hélicoptère pour FD500. Et au niveau de la grille, vous avez exactement la même que dans le mission, donc dans l'autre. Bien sûr, on parle de maquette lorsque l'on aussi de maquette lorsque le degré de réalisation n'est pas très important. Et puis vous avez également des appareils qui n'existent pas dans la réalité. Donc là on parle plus de maquette bien en qui est en stationnaire, qui montre qui sort son train d'atterrissage. Pour s'enchaîner, il faut une période d'atterrissage qui peut être assez longue. Et sur des menaces, on y arrive au bout du compte. Des appareils qui sont qui demandent plutôt de la rigueur dans le total, qui demandent de la rigueur lors de la mise au point, qui demandent aussi beaucoup de rigueur lors du kilomètre. Parce que contrairement à un avion, on n'avait pas de ligne de vol fixe, l'appareil peut avancer pour le prix. Voire même faire des figures de voltige, comme on peut le voir aussi. Avec l'autorisation du Vatican pour le survol de l'église. J'aurais bien ce que je vous disais tout à l'heure. L'hélicoptère n'a absolument pas toute sa vitesse de vol à l'heure actuelle. Et donc, l'avantage de l'hélicoptère, c'est ça, c'est que l'on peut l'arrêter devant soi. Alors oui, là, l'exercice est un peu délicat, puisque quand on arrête l'hélicoptère face à soi, eh bien, les commandes sont inversées. Pour aller à droite, il faut mettre la manche à gauche. Et pour aller à gauche, il faut mettre la manche à droite. Quand vous commencez à reculer, quand vous commencez à avancer, ça devient assez délicat. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à long moment pour que ça devienne de l'automatisme et éviter de se poser des questions en vol parce que le rotor tourne très très vite. On est à peu près à 2000 tours minute ici. Et donc, voilà, magnifique accueil.